Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux chasseurs-tis. La description commence tout de suite. Distribué à partir de 1978, le chasseur-tis est le tout premier vaisseau impérial distribué dans la gamme Kenner. Dans le coffret, on découvre un grand insert cartonné dépliant. Un chasseur avec ses deux ailes, quatre plaquettes d'autocollants, une notice de montage, un catalogue. Le vaisseau possède un poste de pilotage avec ouverture par le dessus, deux ailes détachables et un système de son et lumière. Le système électronique est alimenté par deux piles type LR6 situées à l'arrière sous le vaisseau, cachées par une trappe escamotable. Un bouton situé à l'arrière active une turbine pour le son et la LED rouge à l'avant du vaisseau. Le cockpit s'ouvre par deux portes battantes et une languette intégrée au dossier du siège permet de relever le poste de pilotage avec une figurine placée à l'intérieur. Deux boutons poussoirs permettent d'éjecter les ailes du vaisseau afin de simuler sa destruction. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.